y a à peine 10 ans, à Gaza, seulement 20% des femmes portaient le voile. Aujourd'hui, c'est 100% ou presque. Seules quelques militantes de la liberté, comme Aza, s'y refusent encore. Je voulais la photographier dans les rues de Gaza. Très vite, nous avons été entourés par une bande grossissante de gamins, d'abord curieux, puis de plus en plus agressifs. Aza me traduisit des sales putes ou des insultes du même genre. On a fini par dénicher derrière chez elle un terrain vague dans une zone dépeuplée, ce qui est rare à Gaza, le plus grand camp de réfugiés du monde. Les premières campagnes actives pour imposer le voile aux femmes sont apparues dès la première intifada en 88. La répression incessante et la politique d'occupation d'Israël n'ont fait que renforcer depuis l'emprise du Hamas et du djihad sur la société palestinienne. Au-delà de son sacerdoce médical, Aza doit aussi défendre ses choix de femme, célibataire et non voilée. Actuellement, je travaille comme médecin gynécologue. J'ai des combats tous les jours dans mon travail. Il y a des femmes qui n'ont aucune culture dans ce domaine. Il y a des femmes qui sont poussées par le pouvoir de leur mari. Je leur dis que c'est le droit, en n'importe quelle femme palestinienne, de savoir si elle est en bonne santé ou non. Dans cette période de guerre et de conflit, les gens ont trouvé refuge dans leur religion. Ils sont devenus de plus en plus croyants, donc il faut se voiler, il faut se protéger, il ne faut pas sortir, il faut faire ceci, cela. Les gens du quartier, ils ont l'habitude de me voir, tel médecin, sans voile et tout. J'entends pas des remarques, mais en me déplaçant au travail, je vois les enfants, des fois les jeunes, on me lance soit des provocations, des insultes, des pierres, un petit peu, en me disant la juive, en descendant à l'hôpital, la juive, elle est là, il faut la suivre, la frapper, je ne sais pas quoi. Il faut supporter. Il y a deux jeunes filles qui ont été tuées deux semaines avant. Il y a un groupe apparemment qui attaque les filles non voilées et tout. Et je préfère être en sécurité le soir chez moi, de me contenter de regarder la télé. C'est tout. Des amis me demandent pourquoi tu mets pas de voile pour te protéger. Je refuse. Je le refuse toujours. Je peux pas. Voilà, et tu me regardes. Je peux pas le faire. Et voilà.